Québec français. Notre objectif central est de faire du français la langue commune et officielle au Québec, la langue de tous les Québécois. Parce que si on veut former une société cohérente et inclusive, il faut que tous les citoyens puissent se parler dans une langue commune, qui est le français. Alors, j'aime ma langue dans ta bouche, ça veut dire j'aime ma langue assez pour la partager avec tous les Québécois. Vous savez, il y a une grande mobilisation qui a débuté en 2006 à Montréal avec la fondation du mouvement Montréal français. C'est étendu graduellement. Il y a eu la fondation du mouvement Montérégie français, Laval français, Laurentide français. Maintenant, il y a Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec. On a des mouvements pour le français partout à travers le Québec. Et je pense que c'est essentiel. C'est aujourd'hui le moment le plus important de notre combat pour le français. Mais ce combat-là, la langue française, c'est avant tout, ça prend son sens parce que c'est l'expression de la culture québécoise. La langue est au cœur de notre identité, de ce que nous sommes. Le Québec est une société ouverte, inclusive, moderne, et qui vit toujours en français cette terre d'Amérique. Et ça, c'est le résultat d'une longue lutte de plus de 250 ans de résistance, de mobilisation, de manifestation. Et je pense qu'on peut en être très fier et on peut chanter notre fierté. Pierre Bourgault disait « Défendre le français au Québec, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. » Et la diversité culturelle et linguistique dans le monde, je pense que c'est la plus importante richesse à travers le monde. Alors, les artistes sont les porteurs de cette culture et de cette langue. Et aujourd'hui, c'est à leur tour de nous parler d'amour. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le président du mouvement Montréal français à venir prendre la parole et je vous dis, vive le Québec français! Vive Montréal français!